Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais vous reprendre en bas après avec un café. Je vais mettre mes binocles parce que je vois rien de ce que je vous raconte. Oh non, je vais pas les mettre tout de suite. Elles sont crades. Donc là, il est 9h44, très précisément. Je viens de tourner ce make-up que vous avez déjà eu normalement, si je me plante pas. C'est le swatch et le make-up de cette palette CBH que j'ai reçue de la part d'une abonnée. Je vous la mets en barre d'infos. J'ai pas oublié d'allumer mes fleurs cette fois-ci, donc comme ça, je verrai ce que ça donne. Puisque depuis que je les ai reçues, je les ai reçues. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Depuis que je les ai reçues, ben, je les avais pas allumées. Je les avais mis en fond, mais je les avais pas allumées. Et je rêve où elles sont éteintes. Ouais, je rêve. J'ai peur. Ouais, j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter, mais je voulais juste vous montrer le petit changement de fond. Donc mes fleurs que j'ai reçues et mon petit cadre panda que j'ai acheté chez Action pour 99 centimes. Voilà. C'est trop choupinou. Hein. Donc du coup j'ai mis le camion de glace de ce côté-là. Et voilà, ça risque encore de changer, hein, vous me connaissez. J'attends encore un truc qui va dans le fond, mais là il n'y a plus de place. Donc je pense que je le mettrai derrière moi à la place du coffret là, mais je sais pas. On verra. Bref. Donc je vous reprends en bas. Voilà, j'ai faim. Je vais me faire un petit café. Et je vous explique mon week-end. Alors, j'ai pas mal de choses à raconter. Donc là, il est 10h03. Hein. Je me suis fumé une clope et je viens de nourrir les chiens. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Le vlog va encore durer 3 heures. Voilà. Je dis plus que je vais essayer de faire des cours parce que plus je dis ça, plus ils sont longs. Donc, je le dis plus. Donc, je vous ai pas pris vendredi, hein, comme vous l'avez vu dans l'autre vlog. Puisque, oui, j'ai remis ma brassière hein, parce que j'avais les nichons qui se faisaient la malle. Voilà. Donc, je vous ai pas repris vendredi, puisque le vlog faisait déjà 1h20, sans le vendredi. Et du coup, vendredi, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait mon rehaussement de cils. Donc, je sais pas si là, vous allez voir le rendu. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi j'en suis totalement satisfaite, franchement. Je ne vais plus utiliser de recourbe cils, je vais utiliser que ça. Au final, ça les torture moins, puisque c'est une fois par mois ou tous les deux mois, contrairement à une fois par jour. Quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, je vous remets la vidéo en barre d'infos, moi je suis tombée en amour. Ryan, tu fous la paix au chat, s'il te plaît, merci. Et du coup, dans la vidéo du crash test, vous avez... de toute façon, le kit est dans ma vitrine Amazon. Et du coup, j'en ai mis un deuxième qui est un petit peu plus cher. Mais le premier que j'avais mis, quand Manon a voulu le commander, n'était plus en stock. Donc, elle m'a donné le lien d'un autre. Non, je lui en ai trouvé encore un moins cher que celui que moi, j'avais pris. Enfin, voilà. Il y en a deux, je crois, deux ou trois que je vous ai mis comme ça. Si jamais il y en a un qui n'est pas dispo, vous avez l'autre. Et regardez le prix des trois, puisque... Des fois, vous avez des restos et tout ça que vous pouvez profiter, quoi. Voilà pour ça. Donc, j'ai fait ça. Entre-temps, j'ai reçu sur la plateforme Awin, hein, que je vous disais, pour les liens d'affiliation. Donc, Beauty Bay a validé. The Makeup Spot a validé. Donc, je suis affiliée chez eux. AliExpress a refusé. Mais là, je viens de refaire une demande pour le AliExpress français. J'avais fait le US. Donc, c'est peut-être... Du coup, je viens de recevoir un colis. Alors, je pense savoir ce que c'est. C'est une bouboule. Je vous montrerai. Après, on va déballer ça. Après, le chien fait l'inspection pour l'instant. J'achève de vous expliquer pour Awin. Donc, Révolution a refusé en disant que je n'avais pas assez d'abonnés. Bon, jusque-là, je me suis dit, je peux comprendre. Ils ont toujours refusé la filiation directement chez eux. Donc, je peux comprendre et tout. Donc, voilà, j'étais un peu déçue parce que je me dis, merde, Révolution, quand même... Je parle d'eux depuis l'ouverture de leur site. Je commande chez eux. C'est les produits que j'utilise le plus. Donc, je suis vraiment déçue parce que c'est vraiment l'affiliation dont je rêve. Puisque forcément, c'est les produits que j'utilise le plus. Donc, et je sais que vous en commandez énormément à cause de moi. Donc, si je peux gagner moins des sous à chaque fois que vous commandez un produit que je vous en parle, ça serait bien, quoi, pour pouvoir racheter d'autres produits et tout ça. Donc, jusque-là, ils refusent. J'étais déçue. Et puis, je le dis à mes copines.
sur Insta, on est dans un groupe avec Nymph, Manon et Emmy. Puis Emmy qui me dit, ils m'ont validé, moi, il y a moins d'une heure. Hein ? What ? Mais c'est quoi cette logique ? Si moi, j'ai pas assez d'abonnés, Emmy en a moins que moi, elle parle moins de leurs produits et elle commande jamais sur leur site officiel. Donc, elle est où leur logique, quoi ? Donc là, non. Moi, s'il n'y a pas de logique, moi, vous savez comment je suis avec la logique. Ils auraient refusé juste parce que j'avais pas assez d'abonnés, je pouvais comprendre, mais pourquoi me refuser à moi qui est plus abonné que Emmy et qui parle plus de leurs produits que Emmy ? Donc là, j'étais un peu moins contente, vous voyez ? Alors, je suis contente pour elle, hein. Tant mieux pour elle. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je veux comprendre. Donc, j'ai renvoyé une demande et j'ai renvoyé avec un gros message en disant je comprends que s'ils estiment que j'ai pas assez d'abonnés, c'est tout à fait logique. Mais pourquoi il valide quelqu'un qui en a moins ? Voyez ? Donc voilà, là j'attends. Et je vous jure que s'il me refuse encore, je ne commande même plus sur le site officiel et je vais limiter les achats Révolution. Voilà, parce que ça commence à bien faire, quoi. Donc c'est juste une question de logique, quoi. Moi, il n'y a pas de logique, je ne suis pas contente. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, j'attends la réponse numéro 2. Encore être refusé, hein, mais bon. J'ai aussi changé mon fond. Vous avez vu, je vous l'ai montré juste avant, j'ai reçu mes fleurs. Voilà, tout simplement, que j'ai oublié d'allumer pour les deux dernières vidéos que j'ai faites, hein, depuis qu'elles sont dans le fond, mais ça donne bien quand même. Là, je vais voir au montage ce que ça donne une fois qu'elles sont allumées. Et on a été chez Leclerc le soir avec Chéri et Sam, avant qu'ils partent en vacances le samedi matin. Comme ça, on se dit, on va lui acheter un peu de bonbons pour dans la voiture. Puis voilà, ce qui lui manque un petit peu. On lui a repris un déo parce qu'on est passé chez Action aussi. Donc, je n'ai pas acheté grand-chose chez Action. Je vous ai montré sur Insta, j'ai pris le petit ventilateur à main, là. Puisque celui que j'ai commandé sur AliExpress n'est jamais arrivé. Il n'est pas top. Je vous en ai mis dans ma vitrine Amazon pour ceux qui ne le trouvent pas. Alors certes, ils sont plus chers que celui-là qui est à 3,99€. Les autres, je crois que j'ai trouvé le moins cher à 14€, je crois. Mais au moins ils se rechargent via USB, ils ont une plus grosse puissance. Là, le truc, c'est 3 piles AAA qu'il faut dedans. J'ai mis des piles rechargeables parce que je me suis dit, voilà, autant économiser les piles. Hein, je vais pas mettre des piles qui se rechargent pas. Moi, je suis accro aux piles rechargeables. Et le truc, ça fait 5 fois que je l'utilise, il est déjà en train de. Donc voilà. C'est pas... Après, il fonctionne très bien quand il est branché sur l'USB parce que vous pouvez l'activer en le branchant sur l'USB. Mais il est juste bien alors pour l'été, vous faire du vent quand il fait chaud, quoi. Mais pour faire sécher vos lotions et tout ça, vos fixateurs, c'est pas l'idéal, quoi. Après, je sais pas si je vais en racheter un autre sur Amazon. Je vais dire, attends que celui-là il claque, on verra bien. À mon avis, il tiendra pas très très longtemps. Et du coup, Chéri m'a acheté, je vais vous le chercher pour vous montrer. Alors, il pensait vraiment, vraiment, vraiment me faire un big plaisir. Il m'a acheté un coffret avec le Canon. C'est le 2000D avec la pochette, un objectif, une carte SD. Enfin, voilà, vraiment très complet. J'étais avec lui, j'ai eu du mal à trouver sur Internet les infos que je cherchais. Donc, j'ai dit, écoute, on le prend, au pire, s'il n'est pas bien, on le ramène, quoi. Voilà, on a 48 heures pour échanger les soldes. Et comme il était soldé, donc chez Leclerc, hein, il y avait 50% grâce à la petite pastilla. Et voilà le prix. J'ai pas dit, vous allez voir. Voilà, donc on l'a payé 220€. Mais en rentrant, j'étais joie, je vous jure, j'étais joie, je sautais partout. Je me suis dit, enfin, un nouveau réflexe. Depuis que le mien a claqué, je suis avec mon petit hybride, là, que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, la qualité d'image est très bonne. C'est juste que je dois enregistrer le son avec mon téléphone, vous voyez. Donc, c'est assez chiant parce que si je dois faire des recherches en même temps, je dois bouger, ça fait des variations de son et tout ça que je supporte pas. Du coup, je le déballe et tout. Et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de prise jack. Et là, j'étais... Je suis passée de joie à tristesse. Mais ça a fait bouf. Donc, j'ai été voir un peu les caractéristiques plus poussées sur Internet, hein, sur les forums que j'ai l'habitude de fréquenter pour ce genre de choses. Et en fait, c'est le modèle bas de gamme, quoi. Pour les vidéos, il n'est même pas conseillé. Donc, voilà. Donc, du coup, on doit retourner aujourd'hui pour aller l'échanger parce que Chéri y a été hier matin, puisque samedi, il n'était pas là.
il a été travailler chez sa sœur. Il y a été hier matin, parce qu'on a 48 heures pour l'échanger. Donc, comme on l'a acheté vendredi soir, il fallait y aller avant dimanche soir, vous voyez. Et là, le gars, il dit, oh, bah, déjà, c'est une femme. Je pense pas qu'ils vont vous l'échanger pour ça, hein, parce qu'il dit, écoutez, je vais acheter, mais je me suis trompée. Elle a un modèle plus puissant, vous voyez. On va pas dire que je l'aime pas, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de prise micro, quoi. Donc, il dit ça, bon, ben, je pense pas qu'ils vont vous les changer. Hein. Ben, il faut revenir demain quand le chef de rayon est là. Mais oui, mais alors les 48 heures sont passées. Donc, elle a mis un mot sur le ticket pour dire qu'il était passé la veille, que c'est elle qui lui a conseillé de revenir et tout. Mais elle dit qu'ils vont pas les changer. Mais alors, genre, ils m'auraient acheté une paire de pantoufles ou un t-shirt et qu'ils seraient trompés de taille, on peut pas les changer. Là, il s'est trompé de modèle. C'est à peu près kiff-kiff, quoi. Surtout que je ne l'ai pas utilisé, le bazar. Donc, il n'a pas bougé, quoi. Je l'ai juste déballé pour voir la gueule. Je dis, attends, ce soir, je viens avec toi. Tu m'appelles quand tu quittes le boulot. Je t'attends dehors. On va chercher d'abord mon colis au point relais parce qu'il ferme à 18h. Mon colis Maki Beauty. De toute façon, vous avez déjà eu le haul, normalement. Donc, je vous remets en barre d'infos. Et... je vais venir avec toi chez Leclerc, moi, tu vas voir. Tu vas voir, parce que lui, c'est mon homme, timidité 150 000 et grande gueule zéro. Donc, moi, comme c'est tout l'inverse, hein, c'est grande gueule 150 000 et timidité zéro, je vais venir avec et ils ont intérêt à me rembourser. Et s'ils ne me remboursent pas, je vous jure que je ne leur ferai pas de la bonne pub. Bref, mais il faut attendre que le chef de rayon soit là parce qu'ils ne reprennent plus les retours si les chefs de rayon ne sont pas là. Donc voilà, courez quoi. D'accord, c'est pas loin, mais quand même, on n'a pas que ça à faire, courir 50 fois au magasin. Mon chien est en train de me tendre le cul. Ryan, tu veux bien baisser ton canon? Baisse ton canon. Le canon à gaz sur le canapé, s'il te plaît. Tu fais quoi dans cette position-là? Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc voilà, pour le samedi, donc Georges est parti vers 8h30 avec ma mère et mon beau-père. Ils sont bien arrivés, le temps est un peu préparé qu'ici, donc c'est pas top, mais voilà. Chérie a donc été faire ses travaux, les travaux chez sa sœur. Donc le samedi, j'étais toute seule toute la journée. Voilà. J'ai annulé le live aussi, puisque j'étais... Ryan ! J'étais complètement crevée. J'ai bien dormi pourtant, j'ai fait une sieste et tout. Mais j'étais pas fatiguée dans le sens fatigue, mais fatiguée dans le sens flagada, vous voyez, j'étais pas en forme. J'étais pas non plus au 36e dessous, mais j'étais pas super en forme. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'annuler, que je me repose. Et du coup, j'ai passé ma soirée à refaire mes ongles. Voilà, j'ai fait ça cette fois-ci, avec les produits duo de chez Ongle 24. Donc j'ai vu sur Internet, pareil, hein, sur Instagram. Voilà, je suis bien contente. Et j'ai fait un DIY aussi que je n'ai pas pensé à vous montrer qui est en haut. Je vous montrerai dans la semaine pour le prochain challenge Disney. Voilà. Kémy ne sera pas là puisqu'elle est en plein travaux et elle n'aura pas le temps de le faire. Donc, ce sera juste avec ma petite Manon. Et j'ai tourné la vidéo d'une abonnée choisit mon make-up numéro 6. Et j'étais ravie de ce que j'ai fait. Donc, si vous me suivez sur TikTok, vous l'avez déjà vu. De toute façon, si vous me suivez ici, vous l'avez déjà vu aussi parce que la vidéo est déjà sortie. Donc, je la remets aussi en barre d'infos. Et donc, dimanche, chérie a été ramener l'appareil qu'on a ramené. J'ai fait ma colo, comme vous avez certainement dû le voir. J'ai refait un panier pour ma prochaine commande, donc le 24. Oui, en ce moment, je vous ai dit, hein, je suis à fond de nouveau dans les produits. Donc, ça faisait longtemps que je n'en avais pas commandé et là, j'aurais pu. D'ailleurs, j'en ai recommandé deux hier soir sur Amazon. Je les ai demain. On fera les swatchs ensemble, puisque de toute façon, vous aurez déjà vu le haul. J'ai pris de chez Rosalind. Je crois que c'est les deux de chez Rosalind. J'ai pris des 4 size, en fait. 6 colorés et 6 effets Snow Light, qu'ils appellent ça Aurora. Aura ou Aurora, Snow Light, je ne sais plus. Enfin, de toute façon, ils sont dans ma vitrine. Et du coup, j'ai reçu un colis Amazon que j'ai commandé vendredi ou samedi, je ne sais plus. J'avais envie de tester un petit peu la lithothérapie. Oui, lithothérapie. Donc, c'est des pierres naturelles, voilà, avec l'arbre de vie. Donc, ils sont très beaux. Donc, c'est améthyste, quartz et pierre de lune.
Donc, je voulais absolument quartz rose et améthyste parce que je sais que c'est pour lutter contre le stress, pour aider pour le sommeil, vraiment détendre un peu la tête et tout ça, vider un peu les émotions, mais enfin voilà, c'est un peu ce genre de choses-là. Et la pierre de lune, j'ai toujours voulu une pierre de lune parce que c'est une pierre de lune. Voilà, tout simplement. Voilà, améthyste symbolise la force et la sagesse, calme les angoisses et apaise le sommeil. Quartz rose, pierre de tendresse, amour et douceur, apaise un manque ou une blessure affective. Pierre de lune, pierre de féminité, accroît la fécondité, favorise le bon déroulement de la grossesse. Donc ça m'intéresse pas, mais c'est aussi plus pour le psychique, voyez, la médiumnité, la créativité et tout ça. Donc voilà, je trouvais ça vraiment, voilà. Favorise les capacités à créer et à être inspiré. Favorise l'intuition et la médiumnité, favorise les relations de couple durables. Purifie le corps, donc ça c'est pour le physique, purifie le corps en activant les fonctions des reins et de la vessie. Ma vessie fonctionne trop bien déjà, mais bon. Et c'est aussi bon pour une bonne harmonie hormonale, les règles douloureuses, la fertilité, mon chat tousse. Le quartz, il apaise le stress, apporte la confiance en soi, favorise l'entente et la communication. Donc ça c'est pour l'émotionnel et le spirituel. Pour le physique, c'est résorption des bleus, lutte contre le stress, contre les insomnies et les maux de tête. Donc ça, c'est très bien. Et l'améthyste émotionnel et spirituel favorise le calme mental, idéal pour la méditation, permet aux dépressifs et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle incessant des pensées qui les assaillent. Et ça, c'est vraiment ce qu'il me faut. Favorise les rêves et l'intuition. Physique, détend les muscles, surtout dans le haut du corps, nuque et épaules. Donc la nuque, c'est parfait. Lutter contre l'acidité gastrique, parfait, élimine plus vite divers éléments nocifs du corps, alcool, drogue, toxines, aide à lutter contre les dépendances, réduit les maux de tête et favorise la cicatrisation. Donc je me suis dit, voilà. Après, pour ce qui est la purification, de la recherche des pierres et tout ça, je vous laisse faire vos propres recherches, n'est-ce pas? Puisque moi, je vais juste le faire. J'en ai discuté un peu avec Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Je vais juste le faire à ma sauce, en fait. Voilà, c'est un peu... c'est comme on disait toutes les deux, c'est un peu comme la foi en Dieu et tout ça. Si vous y croyez, ça fonctionnera mieux que si vous n'y croyez pas. On n'est pas obligé de faire des Notre Père et des Je vous salue Marie H24 pour être croyant. Donc, je pense que je vais juste faire... Parce qu'en plus... C'est ce que je disais. Ah oui, et l'arbre de vie, c'est juste un porte-bonheur assez puissant, paraît-il. Voilà. Les racines, c'est le passé, les branches, c'est le futur. Enfin, voilà, c'est toute une symbolique comme ça. J'aime bien ce genre de symbolique. Voilà, j'aime bien savoir. Maintenant, comme je vous ai dit, pour les recharges, vu qu'il y a trois pierres différentes, elles n'ont pas le même système de recharge. Par exemple... La pierre de lune, il faut la recharger à la lune, tandis que les deux autres, ils disent que c'est mieux de les recharger au soleil. Donc voilà, comment vous voulez que je fasse? Ils sont tous les trois dessus. C'est un peu chiant. Donc là, je vais juste... je pense que je vais juste les purifier en les trempant dans un peu d'eau distillée salée. Voilà, c'est ce qu'ils conseillent pour presque toutes les pierres. Et je vais les recharger en le mettant une douzaine d'heures dehors, fin d'après-midi et nuit, comme ça. Il chargera un peu au soleil, un peu à la lune. De toute façon, c'est une puissance astrale, c'est à peu près la même, puisque la lune reflète les rayons du soleil. Donc, voilà. C'est juste plus pour la symbolique que pour le fait de vraiment recharger la pierre en elle-même. Je ne sais pas si... Voilà. S'il y a des pros de la lithothérapie, vous pouvez me donner des conseils en barre d'infos. Je serais ravie d'en apprendre plus. Ça fait 3 jours que je fais des recherches là-dessus. Hein, donc, je commence à savoir quelques petites choses, mais pas à m'y connaître beaucoup non plus. Putain, ça fait déjà 16 minutes que je parle. Et j'ai dû... Alors, je me suis fait chier avec Chéri. Il était trop grand, en fait. Il m'arrivait ici, hein, donc j'aime pas, moi, les bracelets qui descendent trop bas. Donc, j'ai enlevé 2 perles. À l'intérieur, c'est juste un élastique. Hein. Vous le recevez avec juste un élastique dans un petit pochon. Pas d'explication. Ça, c'est un peu dommage. Donc, pareil, il vient d'Amazon. Donc, vous l'avez dans ma vitrine, dans les bijoux. Hein. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai coupé, tout simplement. Alors... Au départ, j'ai dit à Chéri, tu tiens l'élastique, je coupe et tu fais un nœud. Juste, j'enlève 2 perles et tu fais un nœud. J'ai dû enlever 2 perles. Enfin, 2 pierres.
Mais voilà que d'un coup, ben, l'élastique a ripé, et puis toutes les perles qui sont tombées. Donc après, j'ai juste repris un autre élastique tout basique, quoi. Hein. Voilà. Et j'ai renfilé chaque perle une après l'autre, et voilà. Mais là, je pense que ce que je vais faire, je vais aller chercher après du fil d'aluminium tout fin et le glisser à l'intérieur pour être sûr, sécurisé, au cas où l'élastique il pète. Et voilà. Bon, 17 minutes. Ce vlog va encore durer une éternité. Je vais ouvrir ça avec vous. Alors, je pense savoir ce que c'est. Ça doit être... c'est un de mes colis Amazon encore, qui vient de Chine, que je vous disais que j'attendais, que je ne savais pas. Ça doit être mon petit coussin couronne. Donc, pas le gros, le petit. Puisque je me suis pris un gros pour mettre sur ma chaise de bureau. Vous verrez. Quand je l'aurai reçu. Mais alors, ils ont vraiment emballé ça comme des quiches. Hein. C'est une bouboule. Et si je coupe trop profondément, je coupe... Ben voilà. Il n'y a aucune protection entre le plastique et le coussin. Donc oui, c'est bien ça, je vois les poils roses. Donc je vais essayer de juste déchirer le plastique, hein, parce que couper, c'est dangereux. Hein. Ta-da ! Voilà ! Je vous ai dit, hein, votre obsession prend une obsession chez moi aussi. Mais il est bien dodu. Il est doux. Oh, il est super doux. Voilà. I am the queen. Il est trop beau. J'adore. Il est doux. Mais il sera gros. Je voulais le mettre en fond de vidéo. Mais il sera gros. Je pense pas qu'il ira en fond de vidéo. Je pense plutôt que je le mettrai sur ma chaise en haut. Ouais, plutôt. Bref, voilà. Donc ça, j'ai reçu. Et voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vais déjà vous laisser là parce que il y en a déjà pour 30 minutes de vlog là presque. Incroyable, je sais pas me taire. Mais en plus, je vous ai pas pris vendredi, donc j'ai plein de choses à faire. J'avais plein de choses à vous raconter. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Alors, demain, je vais faire les swatchs des VSP 4 size que je vais recevoir. Donc, je pense que je le ferai avec vous. J'ai la vidéo des astuces TikTok à tourner. Et dans la semaine... faut que je tourne le haul aussi quand j'aurai reçu. On lavera mes extensions. Voilà. Et comme je vais aller chercher ma commande Maki Beauty, je pense qu'on fera la colo verte que j'ai commandée aussi. On verra bien. Là, je l'ai fait hier, donc je vais quand même les laisser se reposer un jour ou deux. Et j'ai juste utilisé la moitié de mon flacon de colo classique, un noir de chez Sayos, dans mon pot avec le petit pinceau. Et j'ai juste fait mes racines. Et vous voyez que sur les longueurs, ça ne change absolument rien, puisqu'il reste teinté chez moi. C'est un truc de fou. Même avec du Head & Shoulders et tout ça, la couleur ne dégorge pas sur mes longueurs. Et en fait, elle ne dégorge pas rarement chez moi les colos. C'est juste que c'est mes repousses, en fait. Plus ils poussent, bah, j'ai mes repousses, mais la colo, elle reste dessus presque à vie. Hein. Donc voilà. Par contre, du coup, avec le pinceau, j'ai réussi à bien teinter ma mèche ici qui ne se teinte jamais. Donc voilà. Donc voilà, ça fera des économies puisque j'utiliserai plus qu'une demi-colo à chaque fois. C'est très bien. Bon, allez, on suit le jour. Alors, je vous prends 5 minutes rapido. Il est 9h53, j'ai plus de batterie. Voilà, je viens de tourner les astuces TikTok. Donc vous l'avez déjà eu. Je vous la remets en barre d'infos. Mais je voulais juste vous montrer ça. Là, j'ai reçu mon poussin couronne. Voilà, donc là du coup, on ne le voit pas. Au départ, je pensais le mettre là derrière. Mais il est plus gros que ce que je ne pensais, comme je vous l'ai dit hier. Voilà, donc je l'ai mis là, écoutez, je verrai bien. Ça changera certainement encore, je change souvent mon fond. Et voilà. Donc là, je vais enlever, je vais le faire avec vous tout de suite d'ailleurs. Hop, puisque c'est des qui ne passent pas en dessous de mes carreaux, donc je ne peux pas les laisser. Je vais aller recharger ma batterie, nourrir mes chiens, parce que Lilou, elle piétine à côté de moi, comme d'hab. Manger un bout, et j'ai reçu mes VSP Amazon, donc on fera les swatchs après, quand ma batterie sera rechargée, on fera les swatchs ensemble. Il est 11h46. Je l'ai reçu à 9h30, je crois, hein, mais j'étais occupée à tourner la vidéo. Donc là, je vais faire les petits swatchs avec vous et j'ai refait une commande ongle 24. Ouais, faut que je me calme avec les ongles là, mais voilà. En fait, je voulais juste, parce que quand j'ai fait la commande avec le premier caméléon de chez ongle 24, qui est donc le 4 size persien, je sais pas si vous allez bien voir l'effet 4 size en vidéo. Du coup, j'ai pris l'aimant qui est comme ça. Donc, vous avez un aimant plat et un arrondi. Et là, j'ai commandé le stylet parce que c'est un peu plus précis.
Et je voulais reprendre des 4 size. Mais du coup, j'ai trouvé les deux kits là sur Amazon. Donc, j'ai pris les kits. Ils sont vachement moins chers quand même. Ils ne sont pas donnés, mais il y en a 6 dedans. Donc, ça vaut mieux que... Les ongles 24 sont passés à 8,02 hein, à la place de 7,95. Juste après que j'ai passé ma dernière commande, donc pas celle que je viens de faire maintenant, mais celle d'avant, avec ce vernis-là, ils sont passés à 8,02. Voilà. Nymphe me l'avait dit, en plus, parce qu'elle a été voir juste après que j'ai partagé la photo sur Insta, et elle m'a dit, ils viennent de passer à 8,02, parce que j'ai commandé il y a 2 jours, et ils étaient à 7,95. Mais voilà. Bref, du coup, on va faire les swatchs. Donc d'abord, des 4 size colorés, enfin sombres. Donc c'est les You Are Sugar, et les autres, c'est les Born Pretty, mais on les fera après, c'est des Aurora Snow Lights, qui ont l'air juste sublimes. Voilà, je me trouve une nouvelle passion avec le 4 size. Et du coup, de temps en temps, j'ai essayé avec un... J'ai un petit aimant comme ça que je tisse sur mon tableau. J'ai un tableau où on peut écrire au feutre et coller des aimants. Enfin bref. Donc vous avez les deux kits de toute façon dans ma vitrine Amazon. Donc la boîte est super belle, mais c'est pas ce qui nous importe. C'est du Sokoff. Il y a 6 pièces dedans de 7,5 ml. Donc, c'est très bien. Ils sont emballés comme ça, tous séparément dans un plastique pour éviter les fuites et dans un petit plastique pour les transporter. Donc, j'enlève tous les plastiques et je reviens. Donc, c'est des petits sachets zip comme ça. Moi, je les récupère toujours parce que quand on doit envoyer une paire de boucles d'oreilles ou des choses comme ça sur Vinted, c'est toujours utile. Ou même dans les lots des concours. Ou même un vernis, par exemple, pour être sûr que ce qui n'y a pas de fuites. Donc, voilà, c'est les bouteilles classique de chez You Are Sugar. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, comme les Elite 99 ou les Born Pretty, les Rosalind et tout ça. C'est des vernis que j'aime beaucoup chez dans ces marques-là. Et voilà. Donc, les teintes, c'est juste des numéros. Hein. C'est toujours chez eux. Là, c'est le UR12. 9D Magnetic, Magic Magnetic Gel. Donc, est-ce que je les mets dans l'ordre? On va les faire dans l'ordre des numéros. Donc, yep. J'ai déjà préparé mes petites capsules comme ça pour faire les swatchs. Voilà, c'est les petits anneaux comme ça que j'allais acheter sur AliExpress. Maintenant, je vais devoir regarder sur Amazon parce que je n'ai pas payé 15 balles de taxes pour un truc que je payais moins d'un euro, je crois, hein, ou 2 €. Donc, on les secouille hein, quand même un minimum. De toute façon, vous avez déjà eu le haul, donc je vous remets en barre d'infos. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Alors, celui-là est dans ces teintes-là. Donc, c'est le 01. Oups, un peu plus bas, vous verrez mieux. Ok, donc il faut mettre une couche assez épaisse sur une couche noire de préférence pour voir plus l'effet. Donc il est principalement rose, magnifique. On met une couche homogène mais assez épaisse quand même, hein, raclez pas trop le pinceau. De toute façon, on va tester mercredi, on va faire un nail art. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo nail art. Il y a des mouches. Hein. Donc voilà ce qu'il donne sur la capsule. Et ensuite, vous prenez l'aimant donc sans toucher. Alors, vous n'allez pas bien voir comme ça. Donc je le fais et je vous montre. Et si vous le placez juste au-dessus, vous voyez, ça fait une petite tigette. Ça bouge les particules dorées aussi. Et vous pouvez jongler en fait... pour le faire, mais je trouve qu'on voit mieux quand on le met au-dessus comme ça. Donc avant de catalyser, hein, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Je le mets catalysé et je vais mettre mon petit anneau lumineux pour que vous voyez mieux. Donc voilà, une fois qu'il est catalysé, ah ouais, je crois que là vous voyez bien quand même hein, l'effet 4 size comme ça, c'est splendide. Après, vous avez plus qu'à mettre votre couche de finition. Bon, il n'y a pas de couche collante. Donc là, je ne vais pas en mettre parce que c'est des présentoirs. Mais après, vous mettez votre couche de finition et voilà. Voilà, donc on va passer au deuxième qui est le 03. Donc là, il est un peu plus rose pâle avec des reflets un peu verts, je dirais. On va tester ça. Waouh, il fait un temps dégueu. Ouh, il est beau. Magnifique. Après, il fait même beau en tant que topper sans l'effet magnétique. Mais après, c'est un peu bête de prendre, mais c'est très joli. Hein. Ça fait un peu caméléon.
Donc ça, c'est le 0300, l'effet magnétique. Hein. Vous voyez, les roses bleues. Et on va passer l'aimant au-dessus. Oh, c'est beau. Oh, j'adore ce truc, mais je vais m'éclater avec ça. Vous voyez ? C'est trop beau. Et j'en ai vu des qui faisaient des dessins avec ça. Un truc de malade. Donc là, je catalyse celui-là. On passe en attendant au suivant qui est le 05. Non, 06. Oh ! Un vert. Très beau. Vert un peu jaune pêche, je dirais. On va voir. Oh là là. Je vais m'éclater avec ces trucs-là. Je crois que vous allez voir du 4 size très souvent sur mes ongles. Donc, sans l'effet magnétique. Ce qui est beau. Oh là là. Splendide. Magnifique. Alors, est-ce que je suis en retard d'une guerre et que je teste quelque chose que tout le monde a déjà testé? Bien sûr, mais voilà. Pour le UR10, c'est un doré. À mon avis, il fait vraiment un peu scarabée, celui-là. Donc, pour l'appliquer, je racle un côté du pinceau, mais pas l'autre. En dessous, j'ai mis le Elite 99 noir, mais là, je viens de commander le ongle 24. Puisque celui-ci, il est bien, il est super opaque. Vous voyez, là, j'ai mis qu'une couche. Hein. Mais des fois, il fait comme le verre pistache là, que j'avais acheté. Il pèle. Enfin, il fripe. Il a des rides. Donc ça, c'est l'effet sans le magnétisme. Mais c'est trop canon, ces trucs-là. J'adore. Je suis totalement fan. Voilà. Ensuite, on a le UR11, qui est un peu plus cuivré, je dirais. Taupe, même. Je ne sais pas, mais on va voir ça. Bronze, ouais, c'est du bronze. Donc ça, c'est sans l'aimant. Vous voyez, ils sont même beaux en tant que top coat classique, quoi. Donc pour bien rassembler les particules au milieu, je fais un arrondi comme ça au-dessus de l'ongle, sans le toucher. Hein. Après, je reviens de chaque côté. Bon, là, je l'ai un peu foiré. Oh, je crois que je l'ai foiré, totalement foiré. Mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on laisse trop l'aimant dessus, ça ne bouge plus, en fait. Donc là, je vais le catalyser, je vais remettre une couche pour refaire l'effet mieux que ça. Et le dernier, qui est le 12... dans les tons rouges feu, vraiment ça doit donner un effet de flamme magnifique. Celui-là pour Noël, mais sont chiantes ces mouches là, trop beau. C'est splendide, magnifique. Donc, je réessaye l'autre. Voilà. C'est somptueux, divin, j'adore. Donc, voilà pour les 6 Your Sugar. On va passer au Born Pretty. Donc là, j'ai préparé des capsules pêche, comme ça, New Pêche. Mais elle est chiante, cette mouche, là. Elle va m'emmerder, hein. Et j'ai pris, dans ma prochaine commande, j'ai pris la Gummy Bay Pêche, justement un peu de cette teinte-là. Comme ça, je mets deux couches de Gummy Bay et je peux juste mettre un laiteux par-dessus. Là. Enfin, c'est Snow Lights, Aurora Snow Lights. Donc, voilà le coffret. Et à l'intérieur, vous avez 6 bouteilles aussi. Ils ne disent pas la contenance, donc on va regarder l'intérieur. Vous avez... le petit mode d'emploi et les bouteilles, c'est les mots qu'on avait.
se présente comme ceci, donc aussi bien présenté, mais il n'y a pas de... Ils ne sont pas emballés individuellement, quoi. Et il n'y a pas la contenance marquée dessus. Mais je crois que c'est des 4,5, je crois. Je crois qu'ils sont un peu plus petits. Enfin, oui, de toute façon, ils sont plus petits, hein, mais... Voilà. Et la teinte est notée derrière. C'est juste le numéro 3. Enfin, c'est écrit en chinois, puis le numéro 3. Donc, c'est des marques qui sont certifiées CE, hein, pour ceux qui se demandent. Donc, il n'y a pas de souci de ne pas utiliser des produits chinois, bien que... Enfin, c'est des produits chinois, mais je veux dire, ils sont conformes aux normes européennes. Et pour ceux qui hésitent, mais... moi, j'utilise, même si ça ne l'est pas, surtout ce genre de trucs qui sont par-dessus un autre verre. Donc, je les prépare et on swatch ceux-là. Donc ici, j'en ai un ou deux où c'est pas marqué, que c'est marqué comme ça, là, comme je viens de vous montrer. Si je veux bien me faire le focus là-dessus. Et j'en ai d'autres qui sont notés comme ça. Donc ils ont un nom, ceux-là. C'est écrit petit, hein, mais là c'est le Don River, je crois. Un truc comme ça, enfin bref. On s'en fout un peu. De toute façon, je crois qu'ils sont vendus qu'en kit. Donc, on va commencer par le premier. Je vais pas chercher. Ouais, c'est le Dawn River. Les autres, j'ai pas les noms. Oh là là. Celui-ci, c'est un argenté. Alors, vous allez voir l'effet que ça fait. C'est un truc de fou. Donc, je l'applique sur une couleur comme ça. C'est sur ceux-là qu'on le voit le plus. Mais sur un noir, ça donne comme l'autre. Hein. Bon, il est un peu moins fluide, ils sont un peu moins fluides que les Your Sugar, mais le pinceau est plus petit aussi, donc il faut en prélever un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, c'est sans le magnétisme. Et quand on passe au magnétisme, donc je fais la même chose. Hein. J'ai foiré un peu, je crois. C'est un peu moins flagrant, ceux-là, mais vous voyez, on voit quand même la petite ligne... Il y a des petites paillettes roses. Dedans. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, le deuxième, c'est le Lace Click. Je sais pas lire. Là, on ne sait pas lire les teintes, c'est vraiment... Mais c'est encore un argenté. Mais à mon avis, les petites particules sont d'une autre couleur en dessous. Après, je crois qu'ils ont tous la même base, en fait. On va tester, hein. Oh là là, il y a un vent. Mais de malade dehors. J'essaye de joindre Georges depuis ce matin. Donc ça, c'est sans le magnétisme. Vous voyez, ça donne la même chose que l'autre. Ouais, là, les petites particules sont un peu... Elles sont roses aussi, mais un peu plus orangées, je dirais. C'est très ressemblant, quand même, hein. C'est dommage, ils sont très ressemblants les deux là. On va regarder, une fois qu'il est sec, on va regarder les deux en même temps. On va tester le troisième. Ouais, c'est la même base. Celui-ci a l'air un peu plus gris foncé quand même. Et celui-là, c'est des petites paillettes vertes, je crois. Oui. Oui, oui, oui. Verte ou bleu, je vois pas bien. Donc voilà, sans magnétisme. Effectivement, c'est vert. Mais vous voyez, c'est moins flagrant que sur les foncés, quoi. On va essayer un comme ça sur du noir après. Ah oui, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Le premier est quand même vachement plus rose. L'autre, c'est un rose un peu plus tendre, un peu plus pêche. Mais hein, celui-là, il y a une couche collante. Donc il faut que je mette du top coat. Donc, je vais les laisser là pour l'instant, dans le bon ordre. Le quatrième. Toujours même base. Donc, ils sont tous à la même base. C'est juste les petites particules à l'intérieur qui changent. Maintenant, est-ce que du coup, le kit est intéressant? Si vous comptez en mettre sur chacune de vos manucures, pourquoi pas? Sinon, je vous conseille d'en acheter qu'un, quoi. D'une couleur qui vous plaît et qui passe un peu partout. Moi, je vais les utiliser, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, sans le magnétisme, on ne voit rien de différent.
Oui, bah, ils ressemblent aux autres. Hein. C'est dommage, c'est assez ressemblant, je trouve. Là, les particules sont un peu plus jaunes que les autres, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi. Les trois-là se ressemblent vraiment beaucoup, quoi. Il n'y a que le vert qui change un peu. Alors, le cinquième. Ah, c'est une base rose, ici. Donc, celui-là changera peut-être un peu. Ah, mais il y avait un aimant avec, en fait. C'est pour ça. Je suis en train de voir... Voilà. Ah, j'ai foiré mon truc. Donc, je catalyse et je recommence. On va déjà faire le swatch du dernier pour voir. Ah, celui-ci, il est à fond doré. C'est juste dommage qu'il y en ait trois qui soient vraiment, vraiment ressemblants, quoi. Le kit n'est pas intéressant, du coup. Je vais vous en mettre en vitrine. Je vais en chercher des avec... des kits avec moins de vernis, peut-être, dedans. Par exemple, s'ils mettent le rose, un rose, un rose, un vert. Vous voyez. J'ai un chat, d'ailleurs, j'ai trop parlé aujourd'hui. Je vais essayer avec l'autre. C'est peut-être l'aimant qui n'est pas assez puissant. Ah oui, ça va mieux avec celui-ci, quand même. Mais bon, au moins, vous avez l'aimant fourni avec l'autre. C'est joli aussi. Voilà. Bah écoutez, je vais retester le swatch le dernier et je vais mettre mon top coat partout. Et on va passer aux expériences. On va tester un laiteux, enfin un Snow Lights là sur une base noire. Voilà, j'ai fait quelques petites expériences. Donc j'ai d'abord testé sur une base noire. Donc c'est très joli aussi. Mais avec l'éclairage, je ne voyais pas bien. En fait, les paillettes colorées restent tout autour et ça vous fait une bande lumineuse à l'intérieur. Et j'ai lu ce qui était marqué dans le... J'aurais pu le faire avant, hein, mais non. Ils disent que pour le 4 size, c'est mieux d'appliquer d'abord une couche et de la catalyser et ensuite de remettre une seconde couche de fer avec le magnète et de catalyser. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait les traits dans l'autre sens avec un autre aimant, mais... On voit un peu mieux quand même. Donc ça fait un petit effet. Après, il faut tester avec l'aimant comment faire. Après, ce que je ne sais pas, c'est si l'effet ne vous plaît pas, comment est-ce qu'on annule pour remettre le vernis, à part catalyser et remettre une couche. Voilà. Après, je sais que, par exemple, vous pouvez resuperposer une couche et, magnétiser, enfin, remettre une couche et faire avec l'aimant dans l'autre sens pour faire un croisement, enfin voilà. Il y a moyen de s'amuser avec, j'ai été regarder un peu des tutos sur YouTube, il y a des trucs de fou, il y en a qui font des dessins avec, avec ces trucs 4 sites là, c'est un truc de fou, enfin bref. Donc voilà, écoutez, moi, je vous l'ai certainement dit dans le vlog, dans le haul, mais je vous conseille ceux-là, voilà, déjà, les colorés, la You Are Sugar. Et je vais regarder, parce que je ne vous conseille pas du tout, le kit complet de ceux-ci. Ils sont trop similaires. Voilà, si je reprends les quatre premiers, il y a les deux derniers que c'est un peu plus différent. Il y a celui avec les paillettes vertes qui est un peu plus différent. Ici, c'est des paillettes multicolores. Ici, un rose. Il y a des vertes et des un peu plus orangés, mais c'est vraiment minime. Et je pense que sur n'importe quel vernis, ça passe. Donc, je vais quand même regarder s'il y a des plus petits lots ou s'ils sont vendus à la pièce. Et je vous les mettrai aussi dans ma vitrine. Comme ça, vous pourrez choisir si vous voulez le kit ou pas. Mais en sachant qu'avec le kit, vous avez un aimant fourni. Comme ça. Un seul. Voilà. Vous avez celui-là qui est fourni. Celui-ci, c'est celui que j'ai acheté sur Oncle 24 qui a l'air un peu plus puissant. Mais celui-ci fait très bien l'affaire, quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce vlog d'aujourd'hui. Là, je vais m'amuser à refaire les swatchs Oncle 24 sur des capsules pour pouvoir vous les montrer pendant le haul que je vais tourner certainement vendredi parce que je devrais recevoir l'autre commande vendredi. Donc, je vais l'intégrer en même temps, hein, autant tout vous montrer d'un coup. Et comme moi, je fais les swatchs sur les capuchons, ça se voit moins bien. Pour vous, du moins, hein, moi je vois, mais pour vous, ça se voit un peu moins bien. Donc, je vais les faire sur des capsules pour mieux vous les montrer. Et voilà, donc ça fait déjà un très long moment que je vlog aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si je serai vous prendre parce que chérie va aller chez Primark. Voilà, donc je pense qu'on ira passer la journée chez Primark puisqu'il est en congé. On va se passer la journée tous les deux. Donc, je ne vous prendrai pas demain.
Si on y va, de toute façon, vous l'aurez vu dans le hall, je vous aurai tout présenté dans le hall. Et jeudi, on va laver mes extensions. Voilà, je pense. Bon, laisse-moi pencher. Je sais pas. Je vais voir la durée du vlog déjà parce que là, avec ma grande gueule. En plus, j'aimerais bien tester la colo que je vais recevoir dans ma commande Maki Beauty. Chérie va aller chercher aujourd'hui parce qu'on a été hier. Mais voilà que le monsieur, il a décidé de fermer le lundi pour les vacances et que c'était pas marqué sur le site du point relais. Donc, on l'a appelé une fois qu'on était devant la porte. Donc là, il devait y retourner. Et hier, on a été chez Leclerc. On m'a remboursé l'appareil. Voilà, j'ai discuté avec le chef de rayon et j'ai écouté. Il ne m'intéresse pas du tout. Monsieur voulait me faire plaisir en me faisant un cadeau à ce prix-là. Donc, il a très bien compris. J'ai écouté, on n'a touché à rien. Il a regardé et il dit, oui, effectivement, on voit que vous ne l'avez pas touché. Donc, il n'y a pas de souci, je vous rembourse. Voilà, comme quoi, quand on a une grande gueule, de toute façon, on a discuté pendant une demi-heure avec le chef de rayon. On parlait d'appareil photo après. Et il a bien rigolé. Donc, après, il m'a remboursé. Voilà. Au tout début, il était peut-être un tout petit peu hésitant, mais après, il a remboursé. Et voilà, puis on a été chercher des pizzas le soir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé une vraie pizza. Et là, du coup, moi, il me reste une moitié pour demain, pour ce soir. Et chérie, on avait pris deux. On y va quand c'est le happy hour au cinéma, au Kinépolis, près de chez nous, là. Il y a une pizzeria. Et en fait, tous les jours de la semaine de 19 à 20, vous payez 5 euros les pizzas. Mais après, vous n'avez pas grand choix. Hein. Vous pouvez prendre que les basiques. Hein. Margarita, prosciutto, 4 saisons, la volcano, la mexicaine, et puis je ne sais plus trop. Là, vous avez le choix entre une dizaine de pizzas. Quoi. Voilà, 5 euros la pizza. Ça vaut le coup. Hein. Ça revient moins cher qu'une surgelée. J'ai envie de vous dire à la limite, hein, si vous voulez de la bonne. Hein. Bon, allez, maintenant je me tais et on switch de jour. Alors, il est 11h36, donc je vous prends très tard. Je suis pas maquillée, je suis à peine coiffée, je suis en pyjama. Mais j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je suis en train de m'éclater parce qu'en fait, ce soir, on va chercher des nouveaux loulous avec Chérie. Voilà, je vais récupérer deux chinchillas, un couple. Alors, le fait que ce soit un couple, ça me plaît moyen. Mais je pense qu'à la longue, je ferai castrer le mâle. Bien que ça fait un an et demi qu'ils vivent ensemble et qu'ils ne se sont pas encore reproduits. Donc, il y en a peut-être un des deux qui est stérile. Mais voilà, j'aime pas trop avoir l'histoire de couple parce que je suis pas une pro reproduction, que ce soit pour n'importe quel animal. Surtout qu'il y a toujours des risques. Et voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc, je vais récupérer deux petits chinchillas, enfin deux petits chinchillas d'un an, un an et demi. Avec la cage. Donc, je vous montrerai tout ça demain. On rentrera dans les détails demain. En fait, ça s'est fait. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je cherche un chinchilla. J'en avais un quand j'étais ado. Plume. Elle était adorable. Et ça fait un long moment que je cherche et que je ne trouve pas. Il n'y en a plus en animalerie. Je ne suis pas une pro-animalerie non plus, mais je me suis dit, au dernier recours, j'ai que cette solution-là. J'ai cherché des éleveurs dans le coin, dans la région. Il n'y en a pas énormément. J'en ai trouvé un il y a quelques jours. Mais les seuls chinchillas bébés qu'elle avait sont dispo que fin septembre. Donc, quand on trouve enfin où s'en procurer et qu'on ne peut pas les avoir tout de suite, c'est un peu chiant. Et elle les vendait 200 balles pièce parce que je voulais juste une femelle. Voilà, j'aime bien avoir des filles avec moi puisque à part Lilou et moi, on est les deux seules filles de la maison. Et j'en voulais qu'un, pas deux. Parce que je vous dis, l'intérêt du couple ne m'intéresse pas et je voulais vraiment, pour qu'il soit plus proche, qu'elle soit plus proche de moi, je voulais juste un. Bref. Mais du coup, on a fait quand même toutes les animaleries hier quand on est revenu du Primark. Oui, parce qu'hier, chérie m'a emmené en Allemagne faire Primark EDM. Vous avez eu le haul hier, donc je vous le remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Et en revenant, on est passé voir dans 2-3 animaleries du coin, voir s'ils en avaient. Et ils n'en vendent presque plus puisque ça part très vite chez les éleveurs, donc ils ne passent plus par un intermédiaire. Mais chez Tom & Co, ils allaient en recevoir, enfin l'éleveur qui allait leur en fournir, allait en recevoir normalement aujourd'hui et les mettre en quarantaine. J'aurais payé une centaine d'euros suivant la génétique, le poil de l'animal, hein, puisque plus ils sont rares, plus ils sont chers. Et forcément, moi la couleur, je m'en tape complet. Un chinchilla pour moi, c'est gris beige à la limite. Il y a des noirs, il y a des albinos, ça c'est très 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 rare. Il y a ceux qui sont tachetés, ça c'est plus rare aussi et beaucoup plus cher. Mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais vraiment, j'adore la sensation et
le caractère des chinchillas, l'interaction avec les chinchillas, tout ça. Et chéri, hier, il me voyait complètement dépité. Donc lui, il avait dit qu'il n'y avait pas de souci, parce que bon, c'est moi qui dois me le payer, hein, parce que lui, il veut plus d'animaux. Donc si je veux quelque chose, c'est moi qui me le paye. Mais moi, j'ai plus de sous, puisque j'ai explosé mon budget. Hein, vous allez voir ça demain encore, vous. Donc du coup, il voulait bien m'avancer les sous pour que je me l'achète suite l'éleveur. Et j'avais dit, je mettrais, j'ai une cage, une ancienne petite volière en bas qu'on avait pour Pixel. J'ai dit, je vais rafistoler, enfin, je vais aménager un peu celle-là. Comme elle sera toute petite, elle restera dans celle-là un mois ou deux, le temps que je puisse acheter une meilleure avec mon budget mensuel et tout ça. Mais je ne trouvais pas de chinchilla, du coup, puisque l'autre était disponible que fin septembre. Les autres étaient dans 15 jours. Et moi, vous me connaissez, je suis hyper impatiente. Une fois que je veux quelque chose, je veux tout de suite. Hein, voilà. Et du coup, j'ai téléphoné dans toutes les animaleries, France, Belgique, Luxembourg, qui sont autour de chez nous, et personne n'en vend. Voilà, j'aime pas acheter les animaux en animalerie, on est d'accord, hein, ceux qui sont contre, totalement contre, je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour moi, c'était le seul moyen d'en trouver un, déjà en âge d'être vendu. Et du coup, chéri, quand il m'a vu que j'étais un peu dépitée, parce que voilà, il sait que j'aime pas attendre quand je veux quelque chose, il a commencé à circuler un peu sur Internet et chercher et tout ça, et on a trouvé une femme... qui revend son couple, donc, ici dans la région, enfin, à 30 minutes de chez nous, pour 175 euros, avec la cage, enfin, 200 euros à discuter, donc j'ai réussi à lui discuter de 25 euros, ça me paye l'essence pour aller les chercher, et voilà, donc j'ai hâte d'aller les chercher maintenant. Elle n'est pas nette, celle-là, mais alors vraiment pas nette. Hein. Elle gueule en remuant la queue par la fenêtre, je ne sais pas ce qu'elle a vu. Donc là, je suis en train de leur préparer des petites friandises maison avec des pissenlits au four pour essayer... parce que là, je ne vais pas pouvoir les sortir au début puisqu'ils ne me connaîtront pas, ils ne connaissent pas la maison, ils ne connaissent pas les animaux. Hein, avec Ryan, j'ai quand même fait attention. Le chat, Lilou, normalement, ça devrait aller. Ryan, ça va aller. Une fois qu'il va s'habituer, qu'il va comprendre que ça fait partie de la meute, il ne leur fera aucun mal. Il y avait bien des fois Pixel. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas Pixel, c'était ma connure. Hein, c'était un mini perroquet. Il se la tapait sur la tête à chaque fois qu'elle sortait de sa cage et il lui faisait absolument rien. C'est une crème, ce chien. Ah, on parle de lui, viens voir ce qui se passe. Hein. On va aller chercher les petits bébés, hein, tantôt, mon bébé. Pas fouille. Donc, leur nom, c'est Tigrou et Fleur, puisque c'est les enfants de la dame qui les a choisis. Et je vais essayer de transformer quand même parce que. Voilà. Par contre, Tigrou, c'est facilement transformable en gros goût. Donc ça va aller. Et la femelle, j'aimerais bien l'appeler Queenie, donc je vais essayer de l'habituer. Comme elle est un peu plus timide, ça devrait mieux se passer parce qu'elle n'a pas dû vraiment enregistrer bien son prénom. Donc après, c'est toujours possible, hein. C'est de la patience qu'il faut. Hein. Mais là, il va me falloir de la patience pour les habituer à moi, qu'ils aient confiance en moi et tout ça. Donc là, je pense que je vais installer la cage, vu que c'est une énorme volière. Je vais l'installer juste là à côté de moi. Donc, je suis en train de préparer tout ça. Et voilà, j'ai préparé plein de trucs que je peux leur mettre dans la cage. Des jouets, des panières, un vieux bonnet pour leur mettre en tant que hamac. Voilà. J'ai hâte de faire tout ça. Je pense que je ne le ferai pas ce soir parce qu'il faudra que je les laisse un petit peu tranquille s'habituer. Donc, je pense qu'on fera ça ensemble demain. Comme ça, je vous présente les loulous et on installe la cage ensemble. Je pense que ça peut être sympa. Et comme ça, on finira le vlog là-dessus. Voilà. Et par contre, il faut que je tourne mon hall pour lundi, moi. Hein, donc, par contre, Georges va peut-être rentrer aujourd'hui parce que il s'ennuie. Enfin, il s'ennuie, il fait mauvais. Donc, ma mère, elle va rentrer aujourd'hui. Donc là, il devrait décoller dans pas très longtemps et rentrer ce soir. Donc, voilà. Écoutez, vous verrez demain s'il est là ou pas. Bref, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 7 minutes hein, et le vlog est déjà très long. Et demain, on a une grosse journée aussi. Donc. Voilà. Ah, et j'ai reçu mon collier. Bon, vous l'avez... Ah non, vous le verrez demain dans le hall, mais la deuxième partie de mon cadeau que vous m'avez fait. Voilà. Regardez, comme c'est joli. Oui, je suis à fond dans le délire, on est d'accord, hein, mais voilà. Avec la petite couronne en dessous. C'est trop top. Bref. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse là. Donc, on switch le jour et on se retrouve demain avec les petits chichis. Hello. Alors, il est 9h59, il est 10h, quoi. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis réveillée depuis 7 heures. Ouais, 7 heures. Mais j'ai passé, je
jusqu'à 2h30 ma nuit avec eux, puisqu'on a été les récupérer hier, donc je vous en ai parlé nulle part. Voilà, je voulais vous faire la surprise pour aujourd'hui, je vais vous montrer, j'ai récupéré deux petits chinchillas, enfin deux petits de un an et demi, enfin je vous l'ai dit dans la partie du vlog de hier. On a été les chercher donc hier soir, dans une famille trop sympathique, je pense que je vais bien me lier avec la jeune fille qui me les a revendus, puisqu'elle est vraiment adorable. La gamine était géniale, elle était toute mignonne, et en plus, elle était toute sympathique, toute câlinée, tout franchement adorable, une famille vraiment adorable. Ils ont plein de serpents, des furets, des chiens et tout, c'était un truc de fou. Et voilà. Donc bref, moi j'ai récupéré, donc je vais vous filmer avec le téléphone pour vous montrer de plus près, parce qu'avec l'appareil, en plus j'ai pas mon monopode, mon trépied est en haut. Donc, ça sera plus facile. Là, on est encore en train d'aménager. Hein, voilà, on les a récupérés hier soir. On a fait beaucoup de récup. J'ai encore de la récup en cours, mais il faut que monsieur mette, parce qu'il faut démonter le toit pour mettre des planches un peu plus haut, les maisonnettes et tout ça. Trouver vraiment des astuces pour qu'ils soient au mieux, tout simplement. Donc, moi, ça fait 3 jours que je suis sur YouTube, les forums, Internet et tout, que je cherche des renseignements à gogo. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée de temps en temps à l'évolution et tout ça, dites-moi, sinon je le ferai en vlog de temps en temps, parce que je pourrais pas ne pas vous les montrer, de toute façon vous les verrez à chaque fois que je serai ici. Mais là par exemple, hier j'ai commencé, j'ai fait, avant qu'ils arrivent, j'ai fait des friandises moi-même, avec des feuilles de pissenlit. Voilà, il y a plein d'autres trucs que je dois encore faire, là on doit aller chercher du bois de noisetier, des feuilles, des bourgeons et tout ça, dans le fond du jardin. Puisqu'on a un noisetier à disposition et c'est une très bonne friandise naturelle pour eux. Les pissenlits, on en a à gogo. Les orties, on peut leur donner. Et je vais acheter, il faut que je me renseigne là-dessus comment ça fonctionne. Je lui ai dit qu'il me plante un rosier parce qu'ils aiment aussi les pétales et les bourgeons de rose séchés. Donc voilà, il va me planter un rosier. Je vais en acheter un, je pense. Pour déjà commencer à mettre sécher quelques pétales, puisqu'on ne peut pas les mettre sécher au four comme j'ai fait hier. Après, je préférerais le faire tout sécher naturellement, mais là, dans l'urgence, j'ai fait au four. Et voilà, enfin bref. Et puis, je vais vous montrer la récup. Alors, vous voyez, j'ai barricadé pour la nuit parce que les chiens, forcément, sont forts après. Lilou veut jouer avec, le chat en a peur. Et le gros, ben, il gratte après la cage et tout. Alors, j'ai sécurisé, mais je vais vous montrer de plus près après. Les entrées, il faut que je regarde pour inverser le sens des portes. Et donc là, je barricade pour pas que le chien puisse aller gratter après, quand on n'est pas là ou quand on va se coucher. La bibliothèque, après, viendra ici à côté de mon bureau. Mais pour l'instant, le temps qu'il s'habitue bien, on va laisser comme ça. À moins que Chéri me fasse l'enclos dimanche. Mais ça, vous verrez dans le vlog prochain s'il me l'a fait. Voilà, donc là, je vais leur donner leur foin, déblayer un peu tout ça, et je vous prends au téléphone près d'eux, comme ça je vous les montre de plus près, je vous montre l'installation de la cage et tout ça. Là, j'ai une machine qui tourne, avec encore des accessoires pour eux, et voilà, donc ça va évoluer au fil du temps, au fil des mois et tout ça, parce que je peux pas acheter tout d'un coup, hein, mais là, on fait principalement avec de la récup, donc moi, quand j'ai des animaux en cage, le fil d'aluminium est mon ami, hein, mais je vous montrerai tout ça après. Bon, je vais leur mettre leur foin, leur faire leur petite toudouce du matin. Ah, et voilà le facteur, donc je vous reprends après. Avant de continuer avec les chichous, je viens de recevoir mon colis AliExpress. Donc, que j'ai commandé après le 1er juillet. J'ai pas eu de frais. Donc, comme je disais à Amy, c'était marqué en cours de livraison. Donc, voilà, j'ai pas eu de frais, j'ai rien eu. Voilà, je les ai reçus super vite. Je ne sais pas si c'est comme ça, si ça sera comme ça tout le temps ou si j'ai juste eu de la chance ou je sais pas. Donc, si vous commandez, ben, dites-nous ça en commentaire. Donc, j'ai reçu mes 2 paquets emballés dans un seul. Et ça, à mon avis, c'est justement pour payer qu'une fois les frais, si vous les avez. Donc, j'ai commandé 2 coups de cheval, une avec le beau mauve et une avec des mèches vertes. Je vous montrerai plus dans le haul. Maintenant que je les ai reçus, je vais pouvoir faire. Et avec les vertes, avec les mèches vertes, j'ai reçu un élastique en cadeau qui est trop beau avec des perles. Voilà, donc, moi, je suis joie avec un cadeau comme ça. Voilà, donc juste pour vous dire que j'ai pas eu de frais sur AliExpress sur cette commande-là. Je sais pas si ça sera le cas tout le temps. Maintenant, peut-être que je retenterai pour commander des accessoires pour eux. Je vais voir la différence de prix avec Amazon et tout ça. Voilà. Donc, je n'en sais pas plus pour l'instant. J'ai fait qu'une commande qui m'ont regroupé et j'ai pas eu de frais. Donc, je sais pas si c'est global
ou pas. On verra bien. Bref, bon, je vais faire pipi parce que je dois faire pipi. Je m'occupe d'eux et je vous reprends avec eux. Bon, avant de vous montrer la cage exactement, là, c'est encore des choses que je dois rajouter. Donc, j'ai retrouvé un panier en osier. Ça, c'est pour leur faire un hamac avec un vieux bonnet. Là, j'ai récupéré encore un bout d'osier qui est avec le panier, des étagères en bois brut. J'ai une échelle et encore une petite cordelette. J'ai ajouté un petit truc pour pouvoir le changer, mais je leur en ai déjà mis un dans la cage. Là, je leur ai mis la petite échelle là. J'aurais mis un petit panier de chez Action. Donc ça, c'est les petits loulous. Coucou. Eh oh, les chichous. Voilà, donc là, ça, c'est la mémère. Mais je vais vous les présenter après. Donc normalement, son nom, c'est Fleur. Mais j'ai décidé de la renommer Queenie. Et ici, on a normalement Tigrou, qui est le petit mâle, qui va maintenant s'appeler Grougou. Voilà. Voilà, donc il va falloir que je la nettoie, mais je pense que je le ferai que demain pour pas trop les stresser. Par contre, j'avais vu une vidéo où il disait que c'était une usine à crottes, c'est vrai, totalement vrai. Là, il a renversé la gamelle de foin, donc celle-là, on va la virer. Je viens de leur mettre ceci, je viens de faire ça avec du fil d'aluminium pour qu'ils le mangent et qu'ils restent propres. Ici, on a le biberon, on a une petite gamelle de bouffe ici au-dessus. Et j'avais mis ça. Et voilà, mais ils ne veulent pas descendre. On va voir s'ils descendent un petit peu. Après, ils sont plus... c'est des animaux nocturnes. Donc là, ils sont censés dormir encore un peu. Alors la cage, vous voyez, elle s'ouvre, puisque c'est une volière hein, de base. Elle s'ouvre vers le haut, la porte. Donc là, je vais essayer de la changer après. Donc je la sécurise, la petite ici, parce qu'elle a encore une petite, avec un crochet comme ça, des jetons de caddie, oh là. Et je sécurise l'autre avec un mousqueton et du coup je l'accroche comme ça. Je ne sais pas si je vais essayer d'inverser le sens, mais je crois que ça sera mieux pour après quand je vais les faire sortir. Et voilà, c'est plus facile que de l'attacher à chaque fois. Mais ça m'étonne que Pépère il vient pas dire bonjour. Bah oui, tu causes, mais tu viens pas dire bonjour. Attendez, je vais essayer d'ouvrir celui au-dessus. Bonjour les bébés choux. Bonjour mon petit bébé chou. On dit bonjour à sa maman. Oui, non, tu veux pas? Lui, hier, il a passé la soirée à faire des câlins. Hein, oui. Non, pas manger mes ongles, tu peux pas. Tu peux pas. Bonjour Queenie. Bonjour Queenie. Ça va, ma toute belle. Bonjour. Ça va, ma petite beauté. Elle n'a pas l'air très bien. Je la trouve très triste. Je ne sais pas. Je me demande si elle n'est pas pleine parce qu'elle est hyper dodue. Après, ils adorent les gratouilles sur le ventre. On a remarqué ça hier. Hein, oui. Hier, elle me crachait dessus. Quand on lui a mis les croquettes, enfin les graines. Alors s'il y a des prochains chilas, je prends tous les conseils que vous pouvez me donner. J'ai fait énormément de recherches, mais il y a toujours des petites astuces et tout ça que je ne sais pas forcément. Donc je sais qu'ils mangent du mélange, que c'est pas l'idéal pour eux, ça je le sais. Mais comment ? C'est ce qu'ils ont depuis qu'ils sont bébés, voilà. Et je vais essayer dans quelques temps, je vais d'abord les laisser s'habituer à leur nouvelle maison, la nouvelle cage et tout, parce que, voilà, on a tout changé hein, quand on les a eus hier. Ils ont été très stressés avec le voyage, très stressés d'être enfermés dans une caisse. Donc voilà, mais ben voilà, il vous fait une jolie petite crotte. Je vais essayer d'intégrer les granules spéciales chinchilla. Ça sera beaucoup meilleur pour eux, je le sais. Je ne donne pas les friandises que j'ai eues avec, par contre, parce que c'est pour lapin, principalement. Voilà. J'essaye vraiment de faire au mieux pour eux. Là, pour moi, la priorité, c'est l'équipement de la cage pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Et voilà. Ils sont trop choupis, hein. Hein, qu'ils sont choupis. Essayez de vous les montrer sans les barreaux.
Coucou les loulous. Mais, alors c'est des mitraillettes à crotte. J'ai entendu ça sur une vidéo que j'ai regardée. C'est vraiment des mitraillettes à crotte. Voilà, le temps que j'ouvre la cage, il essayait déjà de sortir, petit con. Petit con, petit con. Tu es un chameau. Tu sais ça que tu es un chameau. Ça y est? T'as eu deux caresses et tu te casses? Tu vas où? Tu vas où? Ah bah, moi qui croyais que j'avais peur que tu n'arrives pas en haut, t'y arrives. Hein? On va vous remettre des choses dans la cage tantôt, hein? Moi, oui, hein. On va remettre plein de choses. Oui. Bah voilà. Il est juste descendu 3 secondes chercher une caresse et essayer de sortir. Et puis il se recasse en haut. Bon, allez, je vous laisse. Je vous reprends un peu tout à l'heure, soit pour vous les montrer un peu mieux, plus actifs, ou pour vous dire à la semaine prochaine. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce sont des animaux nocturnes de base. Donc là, ils dorment encore. Hein, il est tôt pour eux, il est 10h30. Donc là, je vais les laisser tranquilles maintenant. Si jamais, début d'après-midi, ils commencent un petit peu à s'activer, tout ça, je vous les remontrerai. Sinon, je viendrai juste vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir et vous les remontrer un petit peu dans la cage, en train de somnoler. Je connais pas leurs horaires exacts pour l'instant, puisque, à mon avis, ils étaient totalement déréglés. Là, jusque 2h30 hier, moi, j'étais avec eux au matin, hein. Et je ne sais pas du tout vers quelle heure ils ont pu s'endormir. Il faudra que je demande à Chéri quand il s'est levé ce matin s'il dormait ou pas. Parce que je pense qu'ils sont quand même pas mal déphasés vu qu'ils vivaient dans une famille avec 2 tout petits enfants, un monsieur qui travaille, des chiens et tout ça. Donc je pense qu'ils ont été pas mal déréglés et que là, ils profitent un peu du calme aussi. Mais voilà. Ils sont tout choupinous. Le mâle, hier, il m'a fait des gâtés tout le temps. À un moment, il avait ses pattes sur mon nez, comme ça, puis il frottait son nez sur le mien. C'était trop mignon. La femelle, elle me disait qu'elle était agressive, mais à part hier, quand on lui a mis à manger, elle m'a craché dessus, carrément, dès que j'approchais ma main, des croquettes. Donc j'y allais avec une friandise. Et quand elle voyait que je lui donnais à manger, du coup, je pouvais la caresser. Et là, vous voyez que j'ai pu la caresser sans souci. Voilà. Le mâle est plus speed qu'elle. Mais je me demande quand même si elle n'est pas pleine. J'espère que non, parce que je ne veux pas des bébés, hein. Surtout pas tout de suite. J'en veux pas tout court. À la base, je voulais que juste une femelle, moi. Hein. Mais bon, là, j'ai eu l'occasion d'avoir le couple. Enfin, d'en avoir deux. J'aurais préféré soit 2 mâles, soit 2 femelles, hein, pour tout vous dire. J'ai pas du tout envie de me lancer dans la reproduction. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse, que ce soit pour n'importe quel animal. Ryan, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent, hein, pour faire des bébés, mais non, c'est hors de question. C'est des chiens très difficiles à placer, que beaucoup d'associations doivent replacer, récupérer, parfois dans des piteux états. Ils se font piquer en SPA. Donc même pour un croisement, non, c'est hors de question. De toute façon, je l'ai sous contrat d'association et la reproduction est interdite. On n'ose pas le faire stériliser parce que, voilà, comme c'est un chien loup et qu'il ne supporte pas beaucoup de médicaments, tout ça, qui peuvent être très mortels pour lui. J'ai un peu peur avec l'anesthésie parce qu'ici, ils sont pas pro chien-loup. Mais pour petit pépère gros goût, lui, il va y passer. Ça, c'est sûr. Mais je vais attendre qu'il s'habitue vraiment, qu'il s'habitue à nous, à la maison, à être manipulé et tout ça, pour que j'aie facile à l'emmener chez le vétérinaire sans qu'il stresse, parce que c'est cardiaque. Que quand on le récupère, il se sent en sécurité ici et pas encore une fois chamboulé. Donc ça sera que dans quelques mois. En attendant, je vais essayer de surveiller. Mais voilà, j'ai un peu peur que. Après, je pense pas que ce soit la période de reproduction. Je crois que c'est en automne la reproduction chez le chien Sheila. Je ne sais pas. Par contre, je vous mets en barre d'infos un site, une chaîne YouTube. Je suis crevée, hein, désolée, j'ai pas beaucoup dormi. En plus, c'est 2 jours que je vais pas de sieste parce que j'ai fait du shopping le mercredi et jeudi, j'ai fait que préparer tout pour eux, pour leur arrivée. Et j'ai pas fini, hein. Vous voyez, depuis ce matin, 7h que je suis debout, je suis encore en route à préparer, à laver et tout ça. Là, aujourd'hui, je vais pas aspirer leur cage, je vais les laisser se reposer et je pense que je vais leur donner un horaire. Je sais pas, je verrai bien. Je vais m'adapter à eux autant qu'ils s'adaptent à nous. Hein. Je veux pas trop les dérégler, pas trop les stresser. Voilà. Donc je vous mets en barre d'infos que j'achève une chaîne,
C'est les animaux de Morgane, je crois. Je ne sais plus maintenant. Attendez, je vais retrouver tout de suite parce que j'étais en train de regarder une de ses vidéos il n'y a pas longtemps. Les animaux de Morgane, c'est bien ça. Voilà, elle a des lapins et des chinchillas. Elle donne pas mal d'astuces, pas mal de conseils. Et j'ai appris beaucoup en l'écoutant. Il y a aussi quelques sites que j'ai été visiter, mais elle en donne des autres encore qui sont bien aussi dans ses barres d'infos. Donc voilà, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Si vous êtes fan de lapins, de cochons d'Inde, de chinchillas, et que vous en avez, que vous voulez des bonnes astuces, allez voir. Elle a donné des super bonnes astuces pour l'été, pour les rafraîchir, parce qu'il faut pas qu'ils aient trop chaud, parce qu'un chinchilla ne transpire pas. Et pour les réchauffer en hiver. Voilà, j'ai adoré. J'ai tout noté. Voilà, depuis hier, je fais que des trucs comme ça, des listes, des post-it et tout. Je cherche des idées moi-même aussi pour essayer de trouver, mais il y a des trucs que j'ose pas. Je me suis inscrite dans un groupe Facebook, donc je vais, quand j'aurai des questions, je vais les poser. Parce que je sais qu'on peut leur donner du chardon marie séché aussi, mais je sais pas si c'est les feuilles, les tiges, les racines, les fleurs, parce que j'en ai un gros de chardon là-bas, dans mon jardin. Mais qu'apparemment, c'est plus médicamenteux que nourrissant. Donc là, le meilleur pour eux, c'est les branches de noisetier. Donc je crois qu'après, je vais aller chercher du noisetier. Voilà. Bon, les grosses branches, moi, je ne saurais pas les couper. Mais au moins, déjà, leur faire quelques petites brindilles séchées au four, en mettre séchées pour le mois prochain. Voilà. Donc, si vous voulez, après, que je vous explique un peu plus dans une vidéo dédiée chinchilla, vous me le dites. Comme ça, je peux faire une petite série où on voit l'évolution ensemble. Ou si vous préférez que je vous en parle comme ça en vlog et que je vous les montre de temps en temps. Voilà. Ah, ma pépère est descendue. Bon, je vous reprends 5 minutes ici avant d'aller à ma sieste et de clôturer le vlog. Voilà. Ils n'ont pas trop bougé. Ils sont descendus un tout petit peu manger et tout ça. Donc moi, j'ai retourné les portes. Voilà. Et je les ai sécurisées avec des petits mousquetons. Pareil pour la grande. Donc maintenant elle s'ouvre par le bas et je la ferme, je la sécurise comme ça. J'ai voulu essayer de la mettre comme ça, mais je trouve pas pour la fermer. J'avais réussi à la mettre, mais pour la sécuriser, je trouvais pas. Je trouve pas de solution, donc voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal et j'ai retrouvé des petites choses dans la maison et on verra si on va leur acheter autre chose ce week-end et tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai clôturé le vlog ici. Je suis épuisée. Je sais pas si vous voyez, mais. C'est ce que je vais aller faire. Ouais, je suis exténuée, 2 jours sans sieste, très peu dormi. J'ai pas arrêté. Ouais. Voilà. Là, j'ai été chercher aussi des brindilles et des branches et des feuilles de noisetier que je vais faire sécher après. Ouais, mon bébé, tu fais tout avec maman. Tu vas venir faire tout avec maman. Mais il est bien moi tout en dedans. Et voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce vlog. Je suis vraiment crevée. J'ai encore plein de choses à faire après la sieste, donc. Puis Georges qui n'est pas discret du tout. Oui, parce qu'il est rentré hier, lui. Hein. Du coup, ils sont rentrés plutôt prévus parce que le temps était dégueu et qu'ils commençaient tous à s'ennuyer là-bas. Donc, il est rentré hier soir. Et aujourd'hui, il fait grand soleil. Voilà. Bon, allez, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si le vlog vous a plu, de laisser un commentaire, de vous abonner et tout ça, tout ça. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Plus.